passer, de reprendre force, évitons la main cachée, c'est possible de... Cet après-midi, ben, vous avez remarqué que mon bien-aimé, il a même... il n'a pas voulu trop parler puisqu'il faisait sérieusement froid dehors. Alors, Serge, quand t'appelles pasteur, Serge, évangéliste Serge ou bien-aimé Serge? Moi, je préfère qu'on m'appelle Serge. Serge Miguel ou Frère Serge. Frère Serge. Frère Serge, ouais. Alors, loko ezali na sima na biso awa, ezali oyo tozwaki epai ya Frère Serge, ndenge moko alingi tobengaka ye, yango totiaki yango na mur ya studio na biso, po tomeka deja bozala mwa image, mwa idée moke ya émission na biso ndenge nini ekokende. Alors, Frère Serge, lelo ozali invité na biso ya liboso, meka nanu kolimbola mwa moke, ozali frère né de nouveau, ou bien outi, ozaka azobengoka frère, po... Vous avez un frère, puisque moi, je suis un frère. Ah ouais. Bon, alors, tu es un frère né de nouveau, tu es, c'est comment? Non, mais merci beaucoup pour la question. Donc, je suis vraiment un frère en Christ, né de nouveau. Donc, j'évolue dans une église locale. Donc, voilà, je suis dans les seigneurs. Ah, d'accord. Ouais, ça fait combien de temps que vous êtes dans les seigneurs? Ah, ça doit faire 6 ans maintenant que je suis dans les seigneurs. Ok. Je suis converti et né de nouveau. Pendant 6 ans, puisque tout le monde a pendant 6 ans, yo, tu as les gars, nos frères, hein? Tout ce qu'on a voulu monter, on a 2-3 ans après, on a voulu bien évangéliste, on a voulu bien pasteur, yo, préféré, non, tu as les gars, frère. Non, mais évangéliste, ou pasteur, ils appellent au Seigneur à salir. Et puis, appel, il faut les confirmer. Donc, bon, pour l'instant, Nazara confortable, Nazara bien, aux la frère, je suis frère, et puis je sers le Seigneur en tant que frère, si demain ou après demain. Donc, bateau, bazo, kamba, naï, balobi, bon, d'accord, tout. Tout consacré comme évangéliste, tout consacré comme un pasteur, tout consacré au point même. Donc, ce n'est pas ça vraiment qu'on péché, bisso, tout ça et l'ensemble. Ce n'est pas ma nomination. Pasteur, bishop, donc ce n'est pas ça. Si tu as un appel de Dieu, tu vas commencer déjà pour là qui ça va fruit avant que ba benga ou nous soit au benga. Ok, d'accord. Alors, les autres, il y a mieux un cadre spécifique aux alliés à ONG. Parce que tout le monde a ONG et le Bélarga, il y a un Congo, il y a un souci à aider Batou. Mais eux, ils ont un peu plus. Ils ont un peu différent. Ils ont dit ONG Moko, eux, tout le monde, il y a une photo déjà où il y a qui sont en Moké, eux, ils ont en Afrique, pour aider Batou. Tomoni awa ozopesa bilamba ozopesa biloko kolia. Explique nous un peu ONG na ezali eza nini? D'accord, merci. Donc ONG d'abord comme on ezali unité des nations par l'évangile de la paix. Vous savez UNEP, hein? En abréviation UNEP. Okay. Donc notre devise déjà c'est Christ pour tous. Donc eza ONG moko vraiment chrétienne missionnaire. Notre préoccupation d'abord le salut des âmes. Juste pour aller sauver des âmes partout dans le monde. Comme c'est écrit dans la Bible, aller partout, aller faire des nations, des disciples. Des disciples, ouais. Baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, notre motivation, c'est d'aller faire des âmes. Okay. Donc, nous ne pouvons pas aller dire que ouais, Jésus-Christ est bon, il peut te sauver. C'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Mais aussi, nous avons choisi aussi d'aller aussi apporter quelque chose pour la population qui sont vraiment. Réquilé. Donc, tout qu'on était dans la grande ville, tout qu'on était dans la population au bazar, vraiment réquilé, dans le village, et puis tant que nous on présente l'évangile, et puis aussi, tout même aussi, au loco, et puis qu'on a aussi la population locale. Mais si tout à l'heure, ma photo, il dit, à ta photo, mon côté, à Poto, Ezali, Ezaka en Afrique. Pourquoi ONG Ezali, Awa, en Europe, mais vous ciblez d'abord qu'en Afrique? Non, pour cibler l'Afrique, tel que l'on cible l'Afrique, ce serait vraiment différent. Vous savez, c'est une service, c'est un mot vraiment spirituel. Spirituel dans le sens qu'on ne le fait pas par notre volonté. Je me réveille, puis je dis, tiens, je vais aller en Angola, tiens, je vais aller. Non, non, on attend vraiment, c'est vraiment la direction de l'Éternel. Mm-hmm. Si Dieu nous demande d'aller là-bas, on va aller. Partout, Dieu nous demande de partir. On est là, on va partir. Nous ne voulons pas le faire par notre sentiment. Okay. Alors, le Seigneur vous a touché pour que vous allez en Afrique et quitte l'Europe après. Si demain il nous dit que bon, il faut aller en Allemagne, on ne peut pas dire non. On attend toujours la direction de l'Éternel. Il y a toujours direction. On est sur quoi?
Donc, préparer une grande croisade na Cameroun, dans un village Momakak, ça entre Douala na Yaoundé. Donc voilà, toujours préparer une croisade, moi, ils ont un mois de mai, du 13 au 18 mai. Ils ont vraiment un village Momakak. Voilà, donc c'est. Donc, en fait, organisation, ils allient, aux Ayomorote, aux A. Explique-nous un peu la structure, ils allient, qui est à la tête. L'idée était, Yanani. Qui le Seigneur a touché personnellement pour partager l'idée. Donc voilà, je suis Les visionnaires. Je suis le visionnaire. Je suis celui que le Seigneur a touché. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Moi-même, de ma profession, je suis cuisinier professionnel. Donc j'ai fait mon travail. J'étais tranquille dans mon travail. J'aimais bien mon travail. Et puis j'aimais bien aussi le Seigneur. Je venais à l'église. Je suis fervent de la foi. Je viens à l'église. J'ai le Seigneur à l'église. Mais après, j'étais vraiment. Le Seigneur me montrait des choses. Ce que je devrais faire pour lui. Mais moi-même, je ne voulais même pas, je refusais, j'ai dit non, mais oh, Nazad, j'ai ça, là, tranquille, je te sers à l'église, ça me suffit. C'est ça. Mais vraiment, il ne m'a pas vraiment laissé le temps. Oh. Il m'a montré des choses qu'il a besoin de. Il a besoin des âmes, il a besoin des saluts des âmes. Alors, quand tu as eu cette vision-là, comment tu l'as partagée aux autres? Oui, si, bon, ok, non, voilà, le Seigneur m'a touché pour faire ça, ça et ça. Et puis, quelle a été l'attitude des autres au temps où ils savent besoin de travailler là-bas. Non, mais déjà, j'ai commencé. Avant, c'était ça, j'aimais beaucoup parler aussi des Seigneur Jésus. Donc, j'aimais bien. La linga est vraiment qu'on prêchait, ou tout ça, un problème. La linga est vraiment qu'on. Évangéliser, disons. Ouais. J'aimais bien vraiment évangéliser. Mais tu sais, ben, c'est très simple, on peut aller voir quelqu'un, en tout cas, même si je fais quelque chose, dans donc qui peut, na petit cap, on arrive à évangéliser. C'est ça. Donc, vraiment, na linga t'a mon mini. Na linga t'a mon bien. Donc, voilà. Mais pour l'unité, tu aimais beaucoup évangéliser. Pour l'unité, on vient à évangéliser. Ah ouais, mais nous tous, toutefois, nous sommes des évangélistes. Au studio pour évangéliser, tout le monde a évangélisé. C'est normal. Bon, voilà. Donc, mais moi, je suis bien quand on m'appelle frère. Peut-être, je ne sais pas, mais je me sens très bien quand on m'appelle frère Serge. Pour Serge, vraiment, je suis très bien. Je suis plus à l'aise. Quand quelqu'un m'appelle évangéliste, peut-être après, je ne suis pas préparé d'être pour ça, peut-être. Ouais. Je me sens d'accord, revenons sur ma question. On a tout mis en avant. Dans une vision. Comment tu as partagé ça avec les autres? Donc, puisque vision est là, j'ai commencé à œuvrer, j'ai commencé à préparer quelque chose. C'était en Afrique même. Il y avait un pasteur aussi qui était avec moi. Je lui expliquais des choses. Et puis, première croisade, c'était au Bénin, dans un village de Évier. Vraiment, les âmes basales qui vraiment touché. Et puis voilà. Bon, et puis, c'était bien préparé aussi. On a tombé mes mains bloquées. Et puis voilà. Parce que moi-même, t'invitera à bas serviteur pour n'avoir participer à la croisade. Mais tu vois, les gars, ils t'invitent qui, prophète Alexis, qui est avec mon pasteur Emma, dans l'église, dans la France, la Pierre Anglais à France, Emma qui est dans la Zambie, et puis un pasteur de Cameroun, pasteur Alain Dombol, qui était là, avec les pasteurs béninois Didier Legand. Et ils étaient là pour faire tous les services et tout. C'est un service. En fait, notre possible, c'est quoi? C'est d'abord fortifier l'église, qui est l'église qui est le corps du Christ. Okay. Donc, on commence d'abord par les séminaires pour les hommes dédiés. Après les séminaires par des hommes dédiés, les soirs, on fait campagne d'évangélisation en plein air. Pas séminaire ou les années, ma formation à des hommes des dieux ou ouais, normalement. Qui forme les aïeux ou bien. Non, moi je ne forme pas. Moi je suis là, nous sommes une organisation. Okay. Nous sommes là juste pour organiser. Nous organisons des choses, bien on invite des hommes des dieux. Ah, c'est-à-dire que vous allez dans un pays, vos huit hommes des dieux, où il y a Zali peut-être docteur, ou qui peut former les hommes des dieux, vous êtes là comme des sponsors. Nous sommes là comme des sponsors, ouais. Nous sommes là pour organiser tout. Okay. Donc on peut inviter deux hommes dédiés, trois hommes dédiés, par la grâce de Dieu, on leur demande, bon, on va aller peut-être, par exemple, quel pays je peux dire En Angola. En Angola, voilà. D'accord. S'il est d'accord, on peut partir ensemble et puis voilà, il prépare. Mais ça, frère, ça demande beaucoup de moyens.
Ouais, mais nous sommes là, nous, donc voilà, ça demande des moyens, mais je sais que notre Dieu n'est pas pauvre. Notre Dieu, quand il donne une vision, il donne toujours une provision. Nous nous croyons. Donc le Seigneur avait déjà pourvu pour vous, moi, moi et l'autre pour ouais, mais moi, quelque chose pour les Camerounais. T'es tout le village, non, au début. Au début, le Seigneur a pourvu quelque chose. Au début, en tout cas. Il y avait déjà quelque chose en pote pour vous. Au début, on a fait un effort. On a fait vraiment un effort. Au début, par notre force, par la grâce de Dieu, on a vraiment fait un effort de faire cette grande croisade qui a eu lieu au Bénin. Avec mes frères de l'église aussi, nous ont soutenus. Et voilà. Mm-hmm. Mais ça, alors, le Losiko Bokomi a 6 ans. Nakati a 6 ans, tu parles beaucoup plus de Bénin. Bambo, comme ça, c'est au salaire déjà, puis ma organisation. Non, mais 6 ans, on a c'est. Moi qui est dans le Seigneur, 6 ans. Si ce n'est pas l'organisation. Ah, l'organisation, ça doit faire maintenant une année. Une année, quand même. Donc, la fête, c'est une année pour ça. Sauf pour ça, les manifestations, vous avez dit, oui, bien. Oui, bien, et puis, tu organises ça aussi, la manifestation, sous les alaïques, que ça n'a pas vraiment fait des bruits. Parce que ce n'était pas des grandes croisades. Des grandes croisades, ça se prépare. D'accord. On ne peut pas se réveiller, puis, tiens, on va faire ça. Non. Des grandes croisades, ça se prépare. Okay. Donc, préparer vraiment pas quand on croise les arbres, parce que autant, moi, quand on me l'a dit, 4 mois, 5 mois de préparation, et puis si moi, quand on me dit, toujours préparer les croisades, il y a Cameroun. Okay. Donc, voilà. Mais il y a Bénin, ils avaient dit, en avril, l'année passée. Ok. Ouais, 2011. Donc, Suko, après une année, tout ça, Suko, il y a Cameroun. Ouais. Ah. Bon, alors, mais quand on a expliqué, Bissot, comment est-ce que vous organisez la croisade hein? Vous savez, un appel de fonds ou bien l'argent vient et il y a ma poche dans Bino Oyoboza, dans 4 organisations, vous contribuez par exemple. Ça se passe comment? Comment est-ce que vous organisez En tout cas, la première fois, la croisade, tout s'organise et tout s'organise. Donc, tout s'organise, on a pris les temps, on a d'abord s'organisé dans la prière. Ça, il ne faut même pas oublier pour réaliser des choses comme ça. C'est pas, même si Rose a un bon moment, tu n'arrives pas à l'organiser. Parce que si la main de Dieu n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas les faire. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment important. D'abord, vraiment, nous allons beaucoup prier pour ça. Okay. Nous allons demander au Seigneur, tant que nous allons mais nous avons besoin de moyens. Okay. Et puis, voilà, avec un effort, ton mécanique, et puis ton tiers, nous sommes au tiers, de se sacrifier pour nous amour, et puis, ça l'a manqué. Voilà. Nous allons marquer une pause avec les mamans qui ont été là, les alliés croisés du coin de Bénin. Alors, avec la complicité de celui qui est en face de nous, notre caméraman Bingo.